courage, un corps sans douleur et sculptez vos abdos. Vous savez que j'apporte beaucoup d'attention au travail d'automassage, car d'une part les automassages améliorent la récupération musculaire après l'effort, permettent de corriger la posture, permettent de diminuer les tensions musculaires et permettent en fait de favoriser un meilleur alignement au niveau de toutes les articulations en diminuant les douleurs et les tensions. Sans plus attendre, je vais vous proposer les 10 exercices d'automassage les plus fondamentaux. A tout de suite. Premier automassage avec rouleau fondamental, mollet et solaire, c'est-à-dire l'arrière ici de la jambe. Vous allez tout simplement poser les fesses au sol et c'est pas compliqué. On cherche juste à faire des allers-retours, pas trop rapide. Ici, l'objectif, c'est d'essayer de pivoter, comme vous voyez, travailler un petit peu sur toutes les faces des mollets, bien descendre au niveau des tendons d'Achille, bien remonter derrière le genou. Voilà, si on veut augmenter la tension, la pression, on peut tout simplement poser ici une jambe par-dessus l'autre, ou on peut carrément soulever, pour les jambes qui ont suffisamment de force, les fesses du sol, comme ceci. Deuxième exercice, travail au niveau de la fesse. Donc on va simplement poser ici une fesse au niveau du rouleau. Donc je ne suis pas en appui sur les deux fesses, je suis en appui que sur une fesse. Et je vais poser ma main et légèrement tenir mon genou comme ceci. Et je vais tout simplement travailler pareil en faisant des allers-retours, pas très rapide. Bien travailler sur toute la largeur de la fesse. On peut varier les angles. C'est même très important de le faire. Ici, on peut effectuer le même exercice jambes tendues. Et bien entendu, on travaille à droite et à gauche. Ensuite, automassage de la région lombaire. On pose les fesses au sol. Vous allez poser le rouleau dans le bas du dos. Et dans cette position-là, deux solutions. Soit vous glissez directement au sol, comme ceci, pour éviter justement de mettre trop de pression au niveau des muscles du dos, surtout si vous avez beaucoup de tension ou éventuellement des problèmes d'hernie discale. Ou alors vous pouvez carrément soulever les fesses du sol, donc en contractant légèrement vos abdominaux, vous attrapez l'arrière des cuisses et vous faites toujours pareil, des petits allers-retours, en essayant encore une fois de travailler légèrement sur les côtés pour toucher les muscles profonds comme le carré des lombes. Ici, bien descendre au niveau du bassin, au niveau du sacrum. Ensuite, on passe à la partie supérieure du dos. Donc pour la partie supérieure, même système, vous allez poser le haut du dos, soulever cette fois-ci les fesses, croiser les bras sur la poitrine et dans cette position, faire des allers-retours. Donc encore une fois, l'important c'est de garder un petit peu de tension dans les fessiers, un peu de tension dans les abdominaux. Et vous allez remonter le plus haut possible. Je remonte. Je peux même masser ici au niveau de la nuque. Ça pose aucun problème. Et on relâche. On continue la séquence au sol. On va se mettre de profil. Cette fois-ci, vous allez travailler en tendant un bras comme ceci. Et on va travailler sur le grand dorsal. Donc je fais des allers-retours sur toute la longueur du muscle, ici, jusqu'à l'arrière du bras, jusque sous le triceps, car le grand dorsal s'insère sous vos triceps. Hop. On peut varier encore une fois les angles de travail pour toucher le muscle différemment, légèrement sur le côté, légèrement vers l'intérieur. On effectue le mouvement à droite et à gauche. On passe cette fois-ci aux quadriceps. Les quadriceps, muscles devant les cuisses. Je prends appui ici sur les rouleaux et je vais, comme si je faisais des pompes, faire des allers-retours. Ici, aller-retour sur mes quadriceps. Je peux travailler encore une fois selon différents angles. Donc j'insiste sur le fait que, comme vous pouvez le voir, je travaille relativement lentement. Il n'y a rien qui se fait vite avec des automassages, justement pour permettre de bien sentir éventuellement les zones de tension particulières et de pouvoir insister dessus.
Pour ceux qui ont déjà bien travaillé leur tissu, bien amélioré leur tension, on peut bien évidemment travailler sur une seule jambe pour mettre beaucoup plus de pression. Ici. Autre automassage important dans la même position, le TFL, que les coureurs, gens qui pratiquent le running, la course à pied connaissent bien parce qu'il est sujet très souvent aux tendinites. TFL, un muscle sur le côté. Donc je pose mon pied ici, je tends la jambe, je vais tout simplement rouler dessus. Ici, donc d'abord sur la tache musculaire, celle qui est proche du bassin. Et ensuite, je vais remonter sur toute la bande latérale de la cuisse. Parce que le TFL est une zone extrêmement fibreuse. C'est une zone tendineuse. Et on peut même masser près du genou. Ceux qui ont eu une tendinite qui s'appelle le syndrome de l'essuie-glace connaissent bien et comprendront l'intérêt de l'exercice. Voilà. Bien entendu, je travaille à droite et à gauche. Et dernier exercice fondamental, adducteur, ici. Donc c'est pas compliqué, je pose le rouleau toujours face contre terre et je vais masser jusque ici au niveau du bassin sur toute la longueur des adducteurs, toujours très lentement pour relâcher les tensions. Aller-retour. Ici. Donc un point qui est souvent demandé sur mon forum, est-ce que j'ai besoin vraiment de soulever tout le corps du sol? Pas du tout, vous voyez. Je suis au sol, mon corps frotte le sol, ça ne pose aucun souci. L'important, c'est vraiment de relâcher les tensions et pas d'en créer de nouvelles. Voilà, et on relâche. Et ceci conclut les automassages les plus fondamentaux. Bien entendu, on en retrouve beaucoup d'autres dans le livre « Un corps sans douleur ». Et très prochainement, je sortirai un livre qui couvrira l'ensemble des automassages. Voilà. À suivre sur www.christophe-cario.com et sur le site de mon éditeur Thierry Soucard. À bientôt. Bye bye.